Salut, c'est Thomas de Tom Desono. On se retrouve dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui, nous sommes au centre Le Comte Réception, où je suis partenaire depuis maintenant plusieurs années. Nous sommes sur le mariage de Mathilde et Antoine. Je vous fais voir un petit peu le tour du propriétaire. En tout cas, je vous invite fortement à venir faire une petite visite ici sur M, contacter Amandine. Vous trouverez les coordonnées dans la description. Allez, comme d'habitude, jingle, tour du propriétaire, une petite vidéo vite fait sur le montage qui est en cours. Voilà, ce sera vraiment très court. Et merci de me suivre toujours et bienvenue dans ce nouveau vlog. Comme je vous disais, un lieu que j'affectionne particulièrement parce que il y a un partenariat qui s'est mis en place depuis plusieurs années avec Amandine, essentiellement, Salut Tom. propriétaire des lieux, qui va vous expliquer un petit peu ce qu'elle fait, comment elle voit les choses, et elle vous dit tout dans 3 secondes. Alors, bienvenue au centre Le Comte Réception. Ici, on est sur le domaine. Donc, vous êtes sur un lieu qui peut accueillir 200 personnes. Notre grosse particularité, c'est qu'on est libre de traiteur et libre de tout prestataire, mais bien sûr, on conseille les partenaires avec lesquels on a l'habitude de travailler, dont Tom D fait partie, pour la Sono. Sur ce week-end, on attend un mariage qui sera animé par Tom D. Voilà, la salle est louée sur 3 jours. Ils l'ont du vendredi matin jusqu'au dimanche, donc ils peuvent préparer leur décoration, se profiter de leur événement le samedi et le dimanche faire le rebond. Voilà, tout ça avec un très joli jardin, une belle véranda pour le vin d'honneur et la partie salle en tant que telle avec un bar et d'autres petites spécificités, par exemple comme un coin photobooth. Même si on vous prépare des petites surprises pour justement une mise en valeur spécifique du jardin pour toute la partie hivernale et automne quand les journées raccourcissent, on vous prépare un décor lumineux qui sera aux petits oignons pour l'année prochaine. En plus, vous avez un scoop en plus. On vous montrera ça très vite avec Tom, voilà, et plein d'autres choses encore qui vont arriver, parce qu'on adore nos espaces, on adore que les mariés passent un bon moment ici et que voilà, ça continue encore plusieurs années. Et donc du coup, forcément, on conseille les prestataires qui sont sérieux, professionnels, dans des tarifs adaptés au budget moyen de nos mariés. Voilà, et globalement, quand les gens prennent nos partenaires, forcément, ça se passe bien, toujours. Et ils sont ravis de leur mariage le dimanche. Pourvu que ça dure, merci Amandine et merci à tous. We'll be right back.
Voilà, le programme pour ce soir, pour le mariage de Mathilde et Antoine, 18h, arrivée des convives, 18h15, un escape game est organisé par les mariés, mais aussi géré par les témoins. La séance cocktail débutera autour des 19h30, pour ensuite passer à table autour des 20h. Ce soir, Mathilde et Antoine ont opté pour un food truck, donc ça va être un plat unique. Hein. Donc on va pouvoir ouvrir le bal autour des 21h15, avec fumée lourde, puis ambiance juste derrière, pour arriver au buffet de fromage à 22h30. Donc une animation, le jeu des connaissances du couple, hein, donc autour des 22h30, juste après le buffet de fromage. Puis minuit et demi, le buffet de dessert des mariés. Une animation au travers d'un sketch surprise, on verra ça tout à l'heure. Puis ambiance jusqu'à, comme d'habitude, la fin. Simplement, voilà. Encore félicitations Mathilde et Antoine, et merci de suivre ce vlog. On a la chance d'avoir un temps magnifique. Donc à tout à l'heure pour le reste. De fromage, pas d'entrée des mariés en salle ce soir, qui ont donc ça n'a pas été souhaité par Mathilde et Antoine. Du coup, on a fait l'ouverture de bal session dansante jusqu'au buffet de fromage à un instant. Juste après, jeu sur les connaissances du couple, je vous en avais parlé tout à l'heure. On repart après un peu en ambiance, on verra toujours de combien de temps dont on dispose jusqu'au buffet de dessert des mariés, qui se tiendra aux alentours de minuit et demi, je pense qu'il sera un peu plus tard du coup. Et ensuite, ambiance comme d'habitude. J'espère que ce vlog vous plaît. Ça faisait un petit moment, encore une fois, je le dis très souvent, mais là, ça faisait bien un mois et demi, deux mois que je n'avais pas sorti de vlog. Tout s'est enchaîné très très rapidement. La saison se poursuit pour Tom Desono jusqu'au dernier week-end de novembre. Volontairement, au mois de décembre, je n'ai pas pris de prestations parce que j'ai pas mal de petites choses en retard, on va dire techniquement, et puis aussi au niveau des locaux techniques, il y a pas mal de petites choses à faire. Donc je vais devoir faire un break fin d'année pour m'occuper de tout ça. La soirée se poursuit, et puis encore félicitations à Mathilde et Antoine. Alors, selon vous, qui fait le mieux la cuisine? Ah bon? Il y a beaucoup de bleu par là-bas. Toujours du jeune par ici. Plus de bleu, plus de bleu. Ah, c'était jaune! Et c'était jaune. Vous verrez pour les bleus. Je crois que c'est les bleus qui ont gagné. Thank you.
Ça y est, dessert des mariés engagé. Et ensuite, la fameuse surprise avec le sketch des témoins et des copains, plus les potes de Antoine. On préparait un petit sketch surprise. Et ensuite, dernière partie de soirée dansante, hein, essentiellement. À la prochaine dans un futur vlog. On entame la fin de saison, comme je disais tout à l'heure. En tout cas, non, moi, pour ma part, il y en a encore, pour 2 mois environ. Ouais, jusqu'au dernier week-end de novembre. Donc, peut-être en ressortir un petit vlog. Avant la fin de l'année. Je vous dis à très bientôt. Merci de suivre les vlogs. N'oubliez pas le petit like si toutefois vous avez aimé. Dans la description, je vous avais promis de mettre le lien pour le lieu de réception et ce sera chose faite. Venez faire un petit tour au centre Le Compte Réception sur M. Très franchement, ça vaut le détour. Sur ce, bonne nuit, bonne journée, ou je sais pas quand tu regardes la vidéo. Et à bientôt, ciao. Ça se danse là-bas.